Le rugbyman Mohamed Awas est condamné à 1 an de prison ferme pour violence conjugale, on vous explique. Le joueur avait été interpellé vendredi soir et placé en détention provisoire, accusé d'avoir frappé son épouse plus tôt dans la journée, dans un centre commercial, devant de multiples témoins et caméras de surveillance. Jugé ce matin en comparution immédiate à Montpellier, Mohamed Awas a été condamné à 1 an ferme, mais sans maintien en détention. La procureure avait requis à son encontre 18 mois de prison ferme et maintien en détention. Le joueur a tenté de se défendre en expliquant qu'il ne s'était pas contrôlé après avoir surpris son épouse en train de fumer une cigarette devant son lieu de travail. Celle-ci s'est également exprimée en expliquant avoir été choquée de cette altercation et que c'était la première fois que son conjoint levait la main sur elle. Selon nos informations, le sélectionneur Fabien Galthié aurait pris la décision de ne pas retenir le pilier droit de l'équipe de Montpellier pour la préparation à la Coupe du Monde en France à l'automne.